Le député national Eliezer Ntambwe, membre de l'Union sacrée, a récemment fait des déclarations frappantes concernant l'influence persistante de l'ancien président Joseph Kabila au sein de la République démocratique du Congo. Selon Ntambwe, l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nangaa, n'est rien d'autre qu'un prolongement du Front commun pour le Congo, la coalition politique autrefois dirigée par Kabila. Ntambwe va plus loin en affirmant qu'au sein du FCC, il existe trois factions distinctes, le FCC Armée, le FCC Opposition et le FCC Union Sacrée. Chacune de ces factions, selon lui, continue de jouer un rôle crucial dans la vie politique congolaise, influençant les décisions et les événements qui se déroulent aujourd'hui. L'accusation la plus lourde portée par Ntambwe est que Kabila, bien que silencieux en apparence, serait à l'origine de nombreuses manœuvres politiques qui continuent d'affecter le pays. Cette allégation est soutenue par des informations obtenues lors de l'interrogatoire de plusieurs personnes capturées et auditionnées, dont les témoignages impliqueraient directement l'ancien président. Influence de Joseph Kabila. Si les affirmations de Ntambwe sont fondées, cela signifie que l'influence de Kabila est encore très présente dans la politique congolaise, même après avoir quitté le pouvoir. Cette situation pourrait indiquer une continuité du système de gouvernance sous son régime, malgré les efforts du président actuel, Félix Tshisekedi, pour s'en distancer. Les factions au sein du FCC. La mention de trois factions au sein du FCC montre la complexité et la fragmentation de cette coalition. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines décisions et actions politiques semblent contradictoires ou motivées par des agendas cachés. Le rôle de l'AFCONGO. Si l'AFCONGO est effectivement une extension du FCC, implication pour l'Union sacrée, l'Union sacrée, sous la direction de Tshisekedi, pourrait être confrontée à des défis internes si certains de ses membres sont effectivement liés au FCC. Cela pourrait affaiblir la cohésion de cette coalition et compliquer les efforts de réforme du gouvernement actuel. Les déclarations de Ntambwe appellent à une réflexion approfondie sur les dynamiques de pouvoir en RDC et sur les obstacles potentiels à la réalisation des réformes promises par l'administration actuelle. Elles soulignent également l'importance de surveiller de près les développements politiques pour comprendre les véritables forces en jeu dans le pays.